spécialisé, électricité, industriel. Cet article traite démarrage statorique 103 temps. Démarrage statorique 103 temps asterisque composant schéma de commande, transformateur 230. 24 volts. Disjoncteur bipolaire Q. Composant schéma de commande, transformateur 230. 24 volts. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM24 volts KM1. Bobine KM24 volts KM2. Bobine KM24 volts KM3. Contact NO de KM1. 13. 14. Contact de relais temporisé 5. C-Sand de KM1NO. Contact de relais temporisé 5 C-Sand KM2NO. H, 1 sur 2 M temps. H, 2 premier temps. H4, signifie l'absence ou le présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linge de phase. Fusible sectionneur TriQ, 2. Contacteur KM1. Premier étang. Contacteur KM, 2 deuxième temps. Contacteur KM, 3 troisième temps. Relais thermique F1. Résistance triphasée R1. Deuxième temps. Résistance triphasée R2 troisième temps. Le moteur asynchrone triphase M3. Astérisque fonctionnement de montage. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Met sous tension le moteur à travers deux jeux de résistance triphasée. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, celle-ci ferme sec contact de puissance qui court-circuite la résistance triphasée R12 E temps. Après 5 secondes, le contact temporisé de KM2 se ferme et excite la bobine KM3, ses contacts de puissance changent d'état et court-circuit ENT la résistance triphasée R2-3 E temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque, astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête.